Peut causer de gros dégâts en fin de compte. Peut-être bien qu'il éclatera le mur d'Odin la prochaine fois. Bien. Je serai dans ma chambre. Cimier Van, joli prix. Sommes-nous sûrs qu'Atreus n'est plus à Midgard? J'en reviens, et je n'ai pas trouvé trace de lui. Si Odin l'a invité, il doit lui avoir offert un moyen de... Non, ce n'est pas la seule explication. Dis-moi où trouver ces Nornes. J'ai découvert des fils qu'elles ont tissés près du lac gelé. J'en ai caché un qui aurait pu servir à créer un sort, mais nous pourrions aussi l'utiliser pour les localiser. N'oublie pas, elles ne veulent pas qu'on les trouve. Enfin une mission difficile. Ça ne change pas. Prenons ton traîneau et rejoignons le lac. Midgard. Ce vent glacial et ses attaques incessantes de maraudeurs m'avaient manqué. Ça, c'est parce qu'il croit Kratos responsable de Fimbulwetter et pense que sa mort y mettra fin. D'où a bien pu leur venir une idée pareille? De moi, bien sûr. Au pied. Bien sûr. Silence! C'est une amie, pour l'instant. Il vaut mieux que toi, tu leur donnes. Quand les loups auront trouvé la piste des Nornes, nous n'aurons plus qu'à les suivre. Je vais ouvrir le portail. Assez de gémissements. Leur fourrure est emmêlée. Il y a longtemps que tu les as brossés. Ce sont des loups. Une fourrure emmêlée attire les maladies. Prends soin d'elles et elles prendront soin de toi.
frère. Que comptes-tu demander au Norn, exactement? Comment retrouver mon fils? Rien. Ne vois-tu pas là une occasion de tirer au clair cette histoire de prophétie? D'obtenir un second avis concernant ton supposé trépas? Tu ne m'as pas dit qu'on avait annoncé ta mort? Lorsqu'Atreus et moi sommes arrivés à Jotunheim, nous avons trouvé une fresque dissimulée. Des géants et Feyre avaient prédit notre voyage depuis longtemps. Qui nous allions rencontrer, qui nous allions combattre. Tout s'est déroulé comme ils l'avaient prévu. Mais tu n'es pas mort. Cette image représentait un futur à venir. Voir. Je n'aurais pas cru que tu craindrais la mort. Là n'est pas le problème, toutefois. Non. La mort pourra me prendre quand elle l'aura mérité. Alors ce n'est peut-être pas l'avenir qui te perturbe. Faye t'a mis sur cette voie et a veillé à ce que tu découvres la fresque. Et tu ne sais plus du tout. Je ne souhaite plus en parler. La direction à suivre. Le lac des Neufs a clairement connu des jours mieux. Les maraudeurs ont certainement pris leur temps. Je ne suis pas revenu depuis notre grand combat. Elle aussi est élogieuse sur ce combat. Comment le sais-tu? Elle m'a tout raconté lorsqu'elle m'a trouvé. Elle pensait que nous pourrions nous allier, bien avant que je le réalise. La reine des Valkyries, une alliée. Je suis la reine des Valkyries. Comme Sigrun n'a pas manqué de me le rappeler. J'aurais dû me douter que c'était Sigrun qui t'aidait à te rétablir. Elle est si royale, et sage, et brillante, et drôle. Pas besoin d'être une déesse de l'amour pour comprendre qu'il est en vie. Ce fil du destin que nous suivons. Ce n'est pas la vie de quelqu'un, si c'est ta question. Les Norns s'en servent pour se repérer lorsqu'elles sortent. Qu'y a-t-il, mon frère? Les loups sont préoccupés. Oh!